Quand j'arrive ici, je suis chez moi. Contente d'entendre le chant des oiseaux, de voir qu'il y a de la vie. Je suis à l'aise. Je respire. C'est ça que je ressens quand je suis ici. C'est de l'émerveillement que j'ai plus que de la fierté ou autre chose. Ça fait un bon plus de 50 ans que j'habite à la même place. La propriété appartenait à mon père et nous venions ici, enfants, se réfugier dans la nature. Et jeunes mariés, on est vus s'installer ici, puis on n'a jamais quitté. Il nous avait parlé de son rêve de conserver le territoire dans son état naturel et j'ai été élevée avec cette idée-là. On a accompagné Lisa dans son projet de conservation. Tout d'abord, on a réalisé un portrait écologique du terrain. Donc, les biologistes sont venus inventorier la faune, la flore. Par la suite, on a identifié le meilleur outil de conservation pour répondre aux objectifs de Lisa. Donc, puisqu'elle voulait maintenir des activités forestières, bien, la servitude de conservation forestière là, était parfaite pour elle. La première étape, ça a été une réserve naturelle. Et ça a été une étape qui a pris de 3 à 4 ans. Puis la deuxième étape correspondait à une servitude de protection forestière qui a fini par avoir une reconnaissance du gouvernement qui s'appelle AMCE. Alors nous, on avait déjà un plan d'aménagement forestier en place qu'on respectait. On coupait notre bois de chauffage, un peu de bois pour la construction de la maison. Ça nous permettait d'avoir l'usage de notre terrain en plus de la protéger. Les citoyens ont quand même un grand rôle à jouer en ce qui a trait à la crise de la biodiversité et la crise climatique. En protégeant des milieux naturels, bien, on vient répondre à un grand besoin de la biodiversité, donc d'avoir des lieux où ils peuvent se ressourcer, où la faune peut grandir et être protégée des menaces. Et aussi, on vient s'adapter à la crise climatique. Les autres mesures de conservation efficaces, ça permet de s'assurer de la pérennisation de la conservation de milieux comme celui de Lisa. Donc, on va revenir ici dans 10, 15, 20, 50 ans, puis on va avoir un milieu naturel en santé. C'est vraiment différent d'un territoire à l'autre, donc on peut avoir certaines activités qui sont pratiquées ou permises ici, mais dans une autre MCE, bien, ce serait complètement différent. Pour protéger le territoire, on n'a pas besoin de faire de la conservation intégrale et cesser toutes nos activités. Donc, l'idée, c'est de moduler certaines activités qui pourraient avoir un effet néfaste sur les milieux naturels, sur la biodiversité. Par contre, il y a certaines activités qui pourraient perturber grandement le milieu naturel. Celles-là, bien, elles sont interdites. Par exemple, la construction résidentielle ou la construction de voies routières. Il y a certains propriétaires de milieux naturels qui font déjà de la conservation sans le savoir. Puis donc, notre rôle, c'est davantage d'accompagner des propriétaires qui veulent voir reconnaître leur milieu. Les outiller, leur donner des conseils, les aider parfois même à remplir le formulaire. Et ensuite, on veut faire rayonner les initiatives qui vont être reconnues. Ça n'implique pas des sacrifices. C'est un plaisir, un épanouissement de pouvoir vivre dans les milieux qu'on a protégés et de les mettre en valeur. Ça nous rapporte plus que ça nous coûte, en vérité.